Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc dans la suite de Vous Top voulez Let's quelque Go chose? consacrée à Fallout 3. Donc nous Salut! étions quittés précédemment sur la mission de la Ten Penny Tower. Donc mission qui s'est plutôt bien terminée pour moi, moins bien pour les habitants et plutôt pas trop mal pour les ghouls. Donc du coup j'ai pillé un peu la tour, très clairement. Et je me suis fait pas mal d'argent, donc ça m'a permis notamment de récupérer un certain nombre de choses, notamment des steampacks, de réparer certaines armes. Donc du coup voilà, je me suis fait un peu d'argent, il y avait pas mal de bouquins. D'ailleurs voilà, je les ai même pas lus. Donc, les aventures d'un vendeur de viande. Et mensonges pour le discours. J'ai gagné également un niveau au passage. Donc parfait. Donc ce que je propose, c'est de retourner à la Ten Penny pour voir un peu où on en est. À première vue, je pense que c'est pas trop mal. Par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû le faire en y repensant en fait. C'est que du coup, ça m'a foutu en l'air ma mission pour relier la Ten Penny Tower, je pense. Avec la connexion téléphonique. Ouais, ça, à mon avis, ça doit être un peu mort. Haha. Donc ça, c'est bon. Ouais, là je commence à être pas mal, du coup je vais même pouvoir. Ouais, celles-ci elles sont foutues. Bon, tant pis. Ouais, bah oui, parce que du coup il. Bon, à moins que la goule veuille bien. Veuille bien qu'on mette le téléphone chez elle. Les salauds. Ils auraient pu choisir la manière douce et nous laisser vivre avec eux. Ouais, tant pis. Exactement. On sait à tout nettoyer. Comment est la vie à la Ten Penny Tower? C'est bizarre. Je venais en vacances ici avant la chute des bombes. C'était un domaine pour les riches et les puissants. J'aurais jamais cru devoir me battre pour entrer ici. Je crois qu'avant c'était une plantation. Ironique, non? Parfait. Du coup, les sauvages sont plus là. Il va falloir un peu d'huile de coude. Mais cet endroit va être notre nouveau foyer. C'est merveilleux. Roy avait raison. C'est ça la vraie vie. Très bien. Du coup, ils ont viré toutes les ghouls. Donc, vous voyez, hein, ça a pris un peu cher. Putain, la goule sauvage, je devrais lui en coller une tête. Bon, en tout état de cause, Roy a dû se foutre. Quoi. Un niveau supérieur, je pense. Il y a pas mal de ghouls sauvages qui traînent. Je sais pas si ça, si j'enlève, du coup j'aurai la légitimité pour les buter. On va aller voir en haut. Potentiellement là-haut, je pense. Une ghoul luminescente. Ah non, il est pas là, ouais. Première vue. S'il est pas là. C'est marrant, ça. Musique d'ambiance. Donc tout ça je l'ai vidé, hein. C'est pour ça que je m'arrête pas plus. Il est où ce con? De la goule sauvage, y'a rien mal que ça. Il est en bas alors.
Est-ce que eux sont là? Bah écoutez, au pire, si je le trouve pas, j'en aurai plus tard. J'entends bien les ghouls en train de courir. Bonsoir. Ah, peut-être au fond. Mais j'ai pas été derrière. Là, ah, c'est les toilettes. Ça fait plaisir de vous voir. Bon, après, de toute façon, j'ai plus rien d'autre à faire ici, je pense. Hein. Cher. Bon bah écoutez, on verra plus tard. Donc du coup, en termes de quête, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ouais, c'est clairement d'aller sur ouais. Arrivée de City quoi. Et bah c'est parti, on va arriver à City. Objet, là je m'enlève mon masque. Et on va aller à Rivet City. On passera un jour ici. De toute façon, je voudrais aller à un robe cool. Je sais plus où c'est aussi. Donc on va faire aujourd'hui une quête pour avancer à Rivet City, puisque ça m'emmène sur un vrai besoin, on va dire. Parce que j'ai une quête annexe qui m'y emmène, donc tant qu'à faire, ça reste, on va dire, cohérent. Ah, oh putain. Salut, je suis gentil. Oh putain, j'ai eu du cul. J'aime bien ce genre de... Ta tête. Ouais, ta tête. Minigun, non, j'ai pas besoin. Fuck. Putain, mais... Ce repeuple à une vitesse, c'est con. C'était pas prévu qu'il y ait ces gens. Oh, comment je... Oh putain, c'était quoi ça? Oh. Donc, il y a un mec qui me balance. Oh, c'est quoi ce souci là? Putain, je pensais avoir nettoyé ici. Il a pas bougé le connard. Ça c'est fait. Ah, il est là. Non, il ne voit pas. Ça reste un... Bon, très bien. Donc ça c'est réglé. Bon, ensuite on a dit, on est par là. On va quand même faire que je traverse la ville.
Mais bon, ouais, un petit missile dans la tête comme ça, vite fait, bien fait. Okay, par contre, je vais rentrer en territoire, mon ennemi. Ce qui n'était pas forcément prévu à la base. Ça, je pourrais le revendre au pire. Ah, j'aurais pu aller jusqu'à la tour. Hein. Ça va être... Le chemin est par là en tout cas. Okay. Il y a des paladins qui vont devoir se friter avec. Avec lui. Est-ce qu'on va faire notre job? Donc là, je vais aller ici, je pense. Le métro. Normalement, j'ai déjà dû passer ici. Là. J'avais pas du tout exploré la dernière fois, parce que s'il me demande de repasser là, potentiellement l'endroit que j'ai pu zapper. Ça se bound. Tiens, quoi ça? C'est dans le secteur. Ça avoir fait le tour quand même. Ah si, j'ai dû passer déjà ici. Après j'ai peut-être pas été jusqu'au fond des choses. Ah ouais, ok, c'était une autre. C'était une autre ligne probablement. J'ai dû m'arrêter en cours. Mais ça se confirme. Donc ça confirme, je ne suis pas passé ici. Je peux dormir un peu. Ça mange pas de pain après avoir pris des attaques de missiles dans la gueule. On va nous prendre le temps de se reposer. De réparer tout ce qui est cassé. Quand même check pour voir s'il n'y a pas de piège à la con. Les discours comme ça en fait. J'étais confiant quand même, non? Avec cette arme là à distance, c'est quand même pas ce qu'il y a le plus, plus optimisé, on va dire. Ça c'est pas mal, ça se vend. Là on va s'amuser. Salut, bonne. T'es mort. Ouais, viens. Ça c'est gratuit.
Pom 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 pom. Donc là, potentiellement des choses à aller chercher. Putain, c'est bien le bordel. Apparemment, y'a rien. Ok. Là non plus. Hop. Fausse joie, t'es habitué à mieux. Bon bah non, c'est un peu la tristesse là. Ici, non. Moi je crois que c'était bloqué apparemment. Ouais, c'est bloqué, ok. Déjà. Hop, 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 on avance, on avance. Dans la perle, pouf, pouf, pouf. Donc on a dit, là c'est nettoyé, on est à gauche. Et à droite c'est bloqué. Comme ça on n'a pas de soucis. J'ai pas été voir là. Parfait. Si c'est possible de passer par ici aussi. Toujours pareil, une petite déco sympa. Tectron. Cartouche. Ça je le fais pourquoi? Parce que ça rapporte. Ah, j'ai toujours pas mis mon armure de combat, putain, je suis con. Ok, tout s'explique. Alors, silence. Advance. Chemical. Allez, concentration, parce que c'est quand c'est trop facile qu'on fait n'importe quoi. Miscling, 3 sur 8. Trusting, 5 sur 8. Bon, concessionnaire local. Ok, bon, je peux un peu l'ouvrir. Initialisation. Ah, bah si, c'est du protocole de sécurité du métro. Maillage de sécurité de station. On prend tout, après je ferai le vide. Là, je boufferai ça. Pour vous mettre un peu de vie. Oh putain! Oh, il m'a fait peur ce con. Ouais, du coup, je suis un peu cher. J'ai toujours parmi, putain. Je mériterais des claques sans déconner. Là, je m'étonne de prendre grave cher dans la gueule. Attends, je mets aucune armure. Pourtant, je prends cher et ça rentre pas dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a des trucs à piquer? Il y a quand même 2-3 trucs à fouiller dans le coin. Ah, trop. J'étais un petit peu trop rapide sur le coup. Oh, putain, il est... oh, je pensais pas que c'était aussi grand.
J'ai tout pris, pas dû. Ça, ça fait un peu d'argent. De munitions également. Ok, là c'est fermé. C'est vide. Je fais juste pour avoir bonne conscience. On va rater quelque chose. Ok. Bon bah première vue là c'est tout bon. Donc, le gars je l'ai tué ici, j'étais tout droit. Ok donc là c'est la bonne métro. Là c'est là où j'étais. Ok très bien. Du coup on peut sortir. Ça, tu m'as pas servi à grand chose, hein. Je te le dis honnêtement. Je fais juste une sauvegarde parce que ça a tendance à planter quand je sors des métros en ce moment, donc prends pas de risque. Ok, j'ai découvert un nouveau truc, là je suis où. Donc là, ok. Ensuite je vais passer de l'autre côté. Circulez, s'il vous plaît. Pas de problème. On va sortir ici. J'ai pas fait ce coin là. On va voir un peu ce qui se traîne. Ce qui traîne dans le secteur. Toujours pareil des chiottes. Bon. On épargne la visite. Ladies. Oh. Plus disponible. Je peux mettre ça en cours. Bon, ok. Oui, non, c'est pas ça que je veux faire. Donc, ils sont nombreux pareil. Mais par contre, on a deux vilains qui m'attendent. Ils sont en mode prudence. Oh putain, la talion. Oh, ils sont casse-cou. Je sais pas ce qu'ils me veulent, je crois que c'est qu'ils me la foutra sur moi. C'est ta mère! Tu vas crever! J'ai mis les jambes. Ça c'est fait. Alors, l'avantage de la compagnie Talion, c'est que ça met pas mal d'XP. Ouh, ça, ça a tapé la tête. Voilà. Ils me suivent, putain. Ils me suivent à la trace, quoi. Ah, ils comptent tuer, je sais. Ça, j'ai bien conscience que vous voulez me buter, y'a pas de soucis, j'avais compris. Est-ce que la mise à prix a augmenté? C'est surtout ça qui est intéressant. Alors du coup, il va falloir faire un peu de tri aussi maintenant. On va s'en réparer 2-3 trucs. Hop. Fusil laser. Pas de raison que je le garde. Ok, ça fait un peu de place. En aide, j'ai encore de la bouffe qui traîne. Ça fait de la place. Plus du sang. Ça veut dire que ça ne tourne pas en mode. Comment dire?
On va trouver ces mots. On va de vampire. On va voir le contrat du coup, parce que c'est un peu évolué. Mais... Oui, j'ai récupéré aussi un plan de mine à capsule V2. Donc ça, en faisant le tour. Content de message, j'ai pas l'impression. Mais... Contrat, c'est toujours le même en fait. Bon, très bien, bah on continue. Oh putain, mais je te mets juste à côté quoi. Ah ouais. Pas mal. En termes d'efficacité, je suis au top quand même. Oh, c'est qui ça? Gardien d'un. Oui. Quoi de neuf? Cross. Il est bon, mais c'est aussi un truc du cabliste. Ok. C'est qui ces gens? Salut! Regarde. Ok. Ouais? Ils ont juste une phrase en fait. D'accord. Ça fait plaisir de vous voir. Pareil. Un peu différent, non? Ça fait plaisir. Ouais. Ouais, t'es qui toi? Qu'est-ce que vous faites? D'accord, merci. Donc que je puisse te demander, ça va y avoir 5 piles à fission, un conducteur, un clé anglais. À quoi sert ce bateau de toute façon? Et quelle est au juste ma motivation pour y aller? Bon, ça me donne peut-être une quête annexe. Bon. Allez, allons à Yacht City vite fait. Ah. Oh, un peu de casse-soif. S'il vous plaît, vous avez de l'eau. Donc j'ai fait quand même pas mal la merde, allez. Vous voulez dire? C'est bon, franc. Ça peut augmenter un peu mon karma. Bienvenue à Rivet City. Merci d'attendre la mise en place de la passerelle. Ok. Oh pitié. Oh Dieu. Jesus. Ouais, j'ai un temps donné, juste pas Bob. Hein. Plus un geste. Dites-moi ce que vous venez faire à Rivet City. Je cherche le docteur Lee. Ouais? Laissez-moi deviner. Elle ne vous attend pas, mais il est vraiment important que vous alliez la voir tout de suite. J'ai souvent droit à ce genre d'explication et ça ne prend plus. Alors vous allez devoir... T'es fait baiser plus d'une fois. Mon père est venu la voir, j'essaie de le retrouver. J'ai des questions sur son boulot récent aux hydroponiques. Quoi? Je ne sais pas grand-chose sur son boulot. Mieux vaut lui demander directement, je pense. Trop facile. Elle est probablement au labo. Et évitez les ennuis sur mon navire. Il y a un domaine Pinkerton sur ce navire? Ces rumeurs circulent encore. Écoutez, je n'ai pas le temps d'échanger des histoires de fantômes avec vous. Pinkerton est une légende, mort ou parti depuis longtemps. J'ai de vrais gens dont je dois m'occuper. Allez embêter quelqu'un d'autre. Très bien. Je suis un peu perdu, vous pouvez m'aider? Où est le labo du docteur Lee? La porte de gauche mène à l'escalier. De là, continuez vers l'ouest. Ah mais ça c'est mort, de toute façon, j'y arriverai pas. Pourquoi être tous venus vivre sur cette baignoire rouillée? C'est la ville la plus sûre des terres désolées. Personne ne peut y entrer sans notre accord. C'est pas fou. Des infos sur l'histoire de Rivet City? Je n'ai pas vraiment le temps de m'intéresser à l'histoire, pas vrai? Il faut que je m'occupe de ce qui se passe en ce moment. Ah bah évidemment. Allez, merci. Oui, je suis en service. Dépêchez-vous. Je recherche un type dénommé Pinkerton. Ne croyez pas les rumeurs. Son fantôme ne hante pas la proue. Maintenant, pardon, j'ai du travail. D'accord, j'aimerais signaler quelqu'un. En vrai, si quelqu'un prend vos affaires, allez les rechercher. Si on vous tire dessus, ripostez. En dehors de ça, il faut que je voie par moi-même avant d'entreprendre quoi que ce soit. D'accord.